بونجور تو الموند، سلام الوليدات، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم. معكم المؤطرة إيمان من نادي اللغات الحية دار الشباب المسيرة، تابع للإقليمية عين الشق الحي الحسني النواصر. اليوم غنبداو الورشات ديالنا اللي هي ديال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، نتمنى أنها تعجبكم وإن شاء الله غادي تستافدوا معنا. نبداو على بركة الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Iman. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour ce petit atelier. La vérité, c'est qu'on va faire deux ateliers. Un atelier en français et un autre en anglais. On va commencer par l'atelier en français. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier? On va commencer par apprendre nos lettres, l'alphabet et on va enchaîner plus tard pour savoir comment prononcer ces lettres et comment faire un son. Et puis après, on va passer à la communication, comment faire des phrases, comment poser des questions, juste les bases. D'accord? Donc, avant de commencer, je vais traduire un peu pour les personnes qui n'ont pas tout compris, ce qui est tout à fait normal. Alors, salam alaikum, ma'akum Iman, marhaba bi entkom. Lyoum, randiro, wahad l'ouersha, b'l'ora, l'faransia. ورشة واحدة أخرى غنديروها من بعد باللغة الإنجليزية. غنبداو بديال اللغة الفرنسية، غنتعلمو الحروف كيفاش كتخرج، شنو هي الحروف، كيفاش كنطقوها، كيفاش كنديرو الصوت، كيفاش كنخرجو هاد الصوت، ومن بعد غنتعلمو واحد شوية كيفاش كومونيكي، كيفاش نطرحو دي كيستيون، نجاوبو على دي كيستيون، كيفاش نصوبو اون فراز اي تو سا. جوست لي باز، غير الأساسيات. ان شاء الله غيعجبكم هاد غتعجبكم بلوتو هاد الورشه وغتستافدوا منها. نبداو على بركه الله. يلا لا بروميير دي شوز هو اننا نعرفوا انه كيف ما في العربيه انا غنحاول ندوي بالفرنسي وبالعربيه كوم سا ما تجيش صعيبه لا على هادو ولا على هادو. داكا كوم سا لو ميساج ايلي كلير. دونك لا بروميير دي شوز اون فا كومونسي باغ نوتر الفابي. الالفابي هما الاحرف، داكوغ؟ الالفابي كيبدا بلا ليتر ا. ان فرونسي عندنا الالفابي كتكتب دو دو مانيير، كتكتب ماجيسكول اللي هي كبيره، اون ليتر كبيره، اي مينيسكول ان بوتي تا، ان غران ا ان بوتي تا. دونك عندنا ا بي. جو نو با صراحه نبيردر دو طون ا اكريغ لي ليتر، دونك جو ليزي ديجا بريباري وجدتهم ديجا باش ما نضيعوش فيهم الوقت. دونك ها هما لي ليتر ديالنا. اوكي، ا بي سي دي او اف جي اش اي. هاد لي ليتر لي انايا درت فيهم ان سيركل لي دورتهم بهاد الدائره. ابخي Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. D'accord? Donc, c'est notre alphabet. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ce n'est pas un R, c'est un R. D'accord? Je n'aime pas qu'on dise R. Je suis revenu. Revenu. Rire. C'est rire. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? Alors, là, c'est notre alphabet. L'alphabet en français est composé de consonnes et voyelles. Des voyelles. C'est quoi une consonne et c'est quoi une voyelle? Une consonne et une voyelle, bjoujhom hado ahruf, men ahruf l'alphabet. Bech katfidna la voyelle. Une voyelle, on va voir ça tout de suite. Donc, anna nardo une consonne, par exemple un B. Donc, anna A, B. Nardo le B. Si on veut lire cette lettre, on veut lire le B. B. Ok? Pour former un mot, باش نكونوا واحد الكلمة، هاد لو بي لازم ياخد اون فويال. دونك ب إذا حطينا حداها ا بحال الشكل بالعربية، الباء
الى درنا عليها فتحه كتولي با ولا كتولي بي. اوكي بالفرنسي سي ديفيرون مي هو نفس المنطق. دونك ان بي نزيدو عليه ان ا غيولي با. A c'est la voyelle, B c'est la consonne, B زائد un E, غيعطينا B. D'accord, j'espère que vous arrivez à voir. Je les ai déjà préparés comme ça, aussi on ne perd pas de temps. Attendez. Donc, voilà. B plus un A nous donne un B. B, E, vous pouvez le répéter. B, 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 O, BO, B, U, B. Les voyelles sont A, E, I, O et U. C'est ça nos voyelles. C'est ce qui nous permet de lire un mot, de former le mot et de lire. Donc, là, il manque une consonne et une voyelle pour former un mot. Mais je vais vous montrer les consonnes. Les consonnes sont B, P, T. On ne peut pas dire B, P, T. Il faut que nous les voyelles. Kif ma lazim ikoun anna shakl. Ida shkelt el harf kanqdar nqrah. Ida ma shkeltouch ma yumkinliyach nqrah. Ida ktebt mathala. J'espère que vous arrivez à voir. Ida ktebt comme ça. On va utiliser le cahier, c'est mieux. Ida ktebt. Shkol li qra hadi. Personne ne peut lire. Par contre, si j'utilise al-harakat, ma, d, ra, sa, ton. Ben c'est comme ça avec les voyelles. C'est ça. On a des voyelles qui nous permettent de lire ba, be, bi, bo, be. Si on met là la lettre T, par exemple, la lettre T, on va faire, on va lire comme suite. Ta, T-E, te, ti, to et tu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair, c'est très facile. Donc, pour prononcer des mots, pour faire des mots, on a besoin de consonnes et de voyelles. Kif ma khasna al-ahruf ou khasna al-harakat dialo, c'est la même chose. En français, la différence qu'on a, c'est que des fois, les voyelles, elles sont deux. On a deux voyelles. D'accord? Si on met là la lettre encore. P, par exemple. P, il a une hda a e. On va lire ça. Po. A i. Paille. Ou la P. P. Poi. Ou la poids. Puis, pou, po. Ok? Là, comme de l'eau. Je veux boire de l'eau. Bret n'chorb l'ma. Maran dirch, L, O. Là, c'est un L, E, A, E. De l'eau. Elma, oua, l'eau. C'est clair? Voilà. Maintenant, on sait ce qu'on a comme qui sortent. On va prendre des exemples. La lettre A, cantine. La lettre E, la cantine, il y a makan qui a clofi l'atfal. C'est une place. C'est comme un petit restaurant, tu confles les écoles. Tout le monde le sait d'ailleurs. Dans une école, il y a des cantines. A, cantine, c'est un A. A. Ou la maman, ma, man, m, a, maman. E, cerise, cerise, wa, heblimlouk,
une cerise. I, un cigare. Cigare, c'est un genre de cigarette. Norman Anwar Dukhan. Un cigare. O, une colle. Et dans l'artumaya, à chaque fois, j'ai utilisé la lettre C. Alash, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. La lettre C se prononce de différentes manières. Chaque fois, on la prononce de manière différente, de manières différentes. Maintenant, on va en parler. C-O, colle. Colle, yelska. Une colle. C-U, curseur. Curseur, ça veut dire où est le curseur, où est le mini-candozo. في الكمبيوتر ملي كنبغيو نشيرو هي ديك العلامه الصغيره بحال لا بتيت فلاش سي لو كورسور داكور. بالنسبه لا لتر سي elle se prononce de deux manières différentes. اذا درنا vous avez remarqué si on met c a c'est k mais si on met c e cerise vous allez me demander comment ça se fait on prononce le c k c'est ça. Des fois, on le prononce « s » et des fois, on le prononce en « k ». L'arabia, l'imafham nishmdian, la lettre « c », l'harf « c ». Ba'd l'marrat, kannatkouh « sin » ou ba'd l'marrat, kannatkouh « kaf ». Hiya, c'est une règle. Ida kan ma'a « a » ou « o » ou « u », tikoun « son » dialo, « sos » dialo, tikoun « ka ». كو كو ولكن اذا استعملناه مع او ولا مع اي كيكون لو سون ديالو س سي داكور اذا بغينا لو سي يتنطق سي بحال كومون فاتو سافا alors c'est un c ça va غتقولوا لي هنا c'est un ca. Et avec le CA, on ne prononce pas ça. On prononce K. Qui n'a chez Hajjus mis un C? C'est dit. C'est un petit 5. Fal khamsa saghira, qu'est-ce que ça peut être le C? Quand on croit ça, ça, ça va. Il a dit qu'il y a un C dit, c'est le C. Quand on croit ça, curseur. Curseur. D'accord? Il y a c'est un curseur. Il a dit. Un cédi, تحت من كل غنقراها شنو سول سول علاش حيت فيها لا سيدي عندنا سميت فيصل باغ اكزومبل كومون اون ليكري فا اي سل فاي سل ان سي تحت منو اون سيدي اون ابل سا ان سي سيدي كنسميوها ان سي سيدي كتبدل لينا لو سون ك الى س اون ريبيت نعاودو لا ليتر سي كنطقوها بدو مانيير ديفيرونت كنطقوها اما س او ك سي ا كانتين سي او سيريز سي اي سيجار سي او كول سي او كورسور. Pour changer le « que », on doit utiliser, très bien, le « ccd ». Si je mets le « ccd », une « cdi », d'accord, ça devient le son « c ». Très bien. On va passer à autre chose. Restez avec moi. Je ne vais pas écrire sur le tableau parce que ce n'est pas très clair. Alors, ce qui se prononce de deux manières différentes, on a le C et le G. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste une manière de s'habituer à la langue. La masala ma maqdach bzaf, غير كنتعودوا عليها. امتى كيكون C, امتى كيكون K, امتى كيكون avec les CD. On va prendre une autre lettre, ناخذوا حرف واحد اخر اللي هو le la lettre G. Ça c'est la lettre G. D'accord. Alors, je vais regarder la lettre parce que cette lettre, elle se prononce d'une manière différente à chaque fois qu'on la met avec une voyelle différente. Et c'est comme le C.
G-A, c'est ga, garage. G-E, géant. G-I, gigantesque. Ou la girafe. C'est plus simple. Une girafe. Girafe, yezarafa. G-O, gorille. Gorilla. G-E, figue. Ou la figure. Une figure ou achakl. من الأشكال une figure mathématique. شنو لاحظنا؟ Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que si je mets le G avec un A, un O ou un E, je le prononce G. Très bien. Si je mets le G avec un E ou avec un I, naturellement, c'est un J. D'accord? Là, c'est dit, je vais d'abord expliquer en arabe. Le harf, j, c'est un g. Il a la lettre a. Quel dialogue est qu'on a? Marandirouche. Ja, c'est garage, le garage. Garage. Il a la lettre e. Géant. La géométrique. G-E, c'est je. Pardon. Si on le met à la lettre J, I, on le prononce girafe ou la gigantesque. J avec la lettre O, la voyelle. O, c'est go. E, c'est gu. C'est clair? Adna, 3. Fihom, 3. Kan, ntrohom, g. Ou juj, kan, ntrohom, j. On va prendre un exemple, c'est le verbe manger. Je mange. Adna G-E. D'accord? Tu manges la même chose. Il mange la même chose. Nous, hna, mangeons. Je vais l'écrire là. Comme ça, on aura plus d'espace. Parce que je comme qui fâche, qui con G, mal O par exemple, qu'est-ce qu'on go? Hna, mumkin ghayrouha, naqdrouch ngoulou nous mangons. Nous mangeons. Qui fait que nous mangeons? D'accord? Hatena le E, qabel men le O. Pal, fais C, hatena C, c'est dit. Fais le G, hatena ma'aha E. Donc, il a hatena le E. On peut le prononcer comme un G. Nous mangeons. D'accord? Exemple, un autre exemple. Garage. Hna. Ga. Hna. Je. Si je mets un E, ça se fait pas. Mais si je mets la lettre, la voyelle, la lettre E, comment je vais lire? Regardez bien. Je vais lire ce mot-là, garage. Pourquoi? Parce que j'ai mis un E. On ne met pas de E, mais c'est un exemple. Ici, nous mangeons, j'ai mis un E. Avant le O, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Nous mangeons, donc nous mangeons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre son. Là-bas, c'est un autre son. Le son O. D'accord? Le son O. Ça se prononce un O. Quand on trouve un O. Mais, pour sortir le O, on a différentes manières. Regardez comme des exemples. Le garçon est beau. Zwin. Il est beau. Zwin. Donc, beau, ça veut dire B-O. Mais on n'écrit pas B-O. On écrit B-E-A-E. B-E-A-E. Le garçon. Il est beau. Donc le son O, quand trop de différentes manières, beau. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai bu de l'eau. Je répète, c'est de l'eau. E, A, E. On a d'autres exemples. Une rose. Warda, ou Zahra, c'est une rose. Anna, Adna, O. Donc le son O se prononce de différentes manières.
s'écrit de différentes manières. Un autre exemple, on a un oiseau, ta'er, un oiseau, une moto, c'est un o, c'est bon, pas de problème. Moto, chaussure, like ikramkom, hida. Chaussure, adna, le o, c'est un a, e, a, e. Un bateau, b, a, ba, t, e, a, e. Un bateau, donc le son o, adna, e, a, e. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autriche, manteau, manteau, ou a. Le coat, هذا اللي كنلبسو ديال امونتو نسيت سميتو بالعربيه بعد نذكروا لكم. دونك لو سون او كيفاش كنكتبوه؟ سي تان او ولكن في بعض الكلمات كيكون او ا او سي لو سون او كتكون ا او سي لو سون او ولا كاريمون ان او سي لو سون او سي كلير. C'est bon, on va passer à autre chose, un autre son. On va essayer de terminer les sons aujourd'hui, si on peut. Tant qu'on peut, oui, on a un autre son. Bon, il en a demandé, oui. Le son que, on a déjà parlé du son que avec la lettre C. Maintenant, c'est avec la lettre K et la lettre que. Donc, had les trois, que... C et K, had les trois kamlin, andom le son K. Hna, drna, imsa katkun K, la lettre C. Pal, camion. Camion. Pal, un cadeau. Hadia, un cadeau. La lettre K, kangourou. Kangourou, hi, le kangourou. Un koala, c'est la lettre K. Ou adna la lettre Q, donc hadou. Tlata qui a tenu le son K. Q, C et K. 4. C'est 4. Tranquille. Paisible. Tranquille. Donc, c'est la lettre Q. Je vais vous comme le kalimat. C'est bon. Kalimat serrera. Caramel. C'est un C. Caramel. C. Donc, le son K. Qui gina K ou C ou Q. C'est bon. Le dernier son, Iranardo, ou le son E. D'accord. La lettre E, il a un accent qui est différent des accents selfie, qui est un accent grave, accent aigu, accent. D'accord. Ça sera un peu compliqué. On va avoir affaire avec une autre leçon et tout ça. D'accord. Donc, غير le son E qui يكون مع E ou فيها un accent. N'importe lequel, accent grave, accent aigu, c'est pas important. Donc, B avec un E, c'est un B, like bébé. C avec E, c'est un CC. Le son E qui يكون B accent, qui يكون ET, je suis sortie et... j'ai acheté des choses. Donc, et, mais chez E accent, c'est un ET. On le prononce un E. Des fois, le E, je suis allée chez les voisins. Chez EZ. Chez EZ. C'est-à-dire qu'on a un E. Quoi d'autre? ER, un cahier. Ça, c'est un cahier. Deftar. Un cahier. ER. On le prononce un E. Voilà, on n'en a pas terminé avec les sons, mais avec les sons les plus faciles, et tout début, tout est facile. Salina l'horouf, salina les consonnes, les voyelles, on a essayé de les sons kamlin, mais il s'est avéré un mais il y en a d'autres sons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça fait tout. Quand فهمتوا كل شيء داكو حاولت انني نترجم ونعطي بالعربيه وبالفرنسي كامسا ما يكونوش واحد العقبات سي تري فاسيل عندنا اليوتيوب عندنا بزاف ديال الاشياء حنا غير خدينا الخطوه الاولى
نتلاقى بكم في الحلقه اللي من وراها. باي باي.